Oui, d'Ambroise, je n'ai pas voulu écrire la biographie. J'ai en tête ce merveilleux livre de Peter Brown, Vie de Saint-Augustin, qui est pour moi un massif presque inatteignable. Mais en écrivant donc La Crasse et l'Aura, vie posthume d'Ambroise de Milan, sur 1000 ans d'histoire, du 4e au 16e siècle, je n'ai pas non plus voulu simplement chroniquer les usages politiques du passé et passer en revue, en somme, les différents Ambroises imaginaires qui, depuis sa mort, ont pu se succéder en un lieu, Milan. On pourrait faire ça, ça serait intéressant, parce qu'il y a effectivement l'histoire d'un homme, d'un nom, d'une autorité qui vient se loger quelque part, à Milan. Il s'agit d'un père de l'Église, et donc de l'Église universelle, qui devrait normalement intéresser toute la chrétienté, mais avec un processus très étrange d'identification en un lieu, en une ville, qui va se dire elle-même ambrosienne, parce que Ambroise fut évêque de Milan. Et au fond, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est essayer d'écrire sur la manière dont le temps retient. À la fois un souvenir diffus, épars, disséminé, éventé, pour tout le temps le ramener à ce peu d'espace où le temps se plie, et des lieux très obstinés de la mémoire ambrosienne, comme cette basilique Sant'Ambrogio, qui est d'une certaine manière l'épicentre de la géographie monumentale de Milan, mais aussi du livre. Et voilà, il y a ce mouvement d'aller-retour qui fait que c'est peut-être un livre sur ce qui, dans le passé, empêche de le manipuler trop loin de ce qu'il fut vraiment. Donc au départ, c'est ça. L'idée, c'est ça, c'est de partir à la rencontre, à rebrousse-poil, à rebours, en tout cas, d'un souvenir qui surgit à un moment, pour moi, en tant que... Je suis d'abord un historien des pouvoirs et de la ville au XVe siècle, ça surgit en 1447, et puis j'allais voir, au fond, quelle était la disponibilité de ce souvenir. Mais mon premier projet, ce n'était pas de faire une histoire d'Ambroise lui-même. Je pensais sincèrement que cette enquête, parce que c'en est une, généalogique, parce qu'elle ne peut pas être autrement qu'à rebours du temps, allait me mener quelque part au XIIe, XIIIe siècle, c'est-à-dire à un moment où on allait inventer le souvenir utile du fondateur. Mais avec un peu d'effort, on pouvait aller percer comme ça différents gangs de la mémoire et s'approcher non pas de l'homme, non pas d'Ambroise, évêque de Milan depuis 374, mort en 397, mais pas très loin de lui. Et ça, ce n'était pas du tout prévu. Et ça m'amène effectivement à fréquenter une bibliographie qui n'est pas la mienne, qui est celle de l'Antiquité tardive, qui m'a, je le dis, ébloui, parce qu'au fond, traverser le temps, c'est aussi traverser les styles historiographiques, et on n'écrit pas de la même manière sur le 4e et sur le 16e siècle. Ce sont, au fond, on n'est pas environné des mêmes ombres historiographiques. Là, on est, je l'ai déjà dit, avec Peter Brown, etc. Et on est à un moment de basculement, de point de bascule entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et c'est vrai qu'on dit souvent qu'Augustin a tout inventé, ce qui n'est pas faux, mais Ambroise est le maître d'Augustin, même s'il y a eu une sorte d'inversion de relief qui fait qu'on se souvient d'Ambroise parce qu'il a converti Augustin. Mais quand même, dans une enquête qui était la mienne aussi, de généalogie du gouvernement des modernes, aller jusqu'à Ambroise, ou pas très loin d'Ambroise, c'est aller cogner, je dirais, la roche-mère de cette archéologie du politique, où ce qui sonne, et ça ne sonne pas du tout creux, c'est le bloc insécable des origines liturgiques du gouvernement. Parce que, qu'est-ce qu'il invente, Ambroise? Il invente effectivement la manière de construire une configuration monumentale, d'occuper les sols avec des reliques. On va dire simplement, il invente la ville chrétienne. Il invente aussi une manière de faire du pastorat, c'est-à-dire du gouvernement pastoral de l'évêque en vis-à-vis, affronté à l'Empire, une sorte de conversion de la fonction publique romaine dans le christianisme. C'est, au fond, une sorte de christianisation en pente douce à partir de l'Empire romain
chrétiens qui fondent au fond les principes de persuasion, de gouvernement, d'acclamation. C'est pour ça que la question liturgique est si importante, dont on serait bien inconséquent de croire qu'elle ne nous concerne pas encore aujourd'hui. Oui, cette question de la fiction, elle m'anime depuis longtemps, et en tant que je suis historien du Moyen-Âge, je ne peux pas définir le Moyen-Âge autrement que le temps où on finit par croire vrai ce qu'on a inventé. C'est-à-dire où on considère, au fond, les fictions comme des ressources de mobilisation qui mettent un nom sur le courage que l'on se découvre au moment même où on agit. Et donc, on s'identifie à un événement fondateur. Et ça m'intéressait de construire, au fond, une réflexion autour de la manière dont, au fond, avec du passé, avec du passé disponible, on se bricole des références au nom desquelles on agit. Et de le faire, donc c'est un travail de déconstruction, mais un travail de déconstruction, je dirais, respectueux de la facticité des fictions politiques et des expériences. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a dit que ce passé est réinventé qu'on cesse d'y croire. Au contraire, c'est une manière de désigner au fond, le nœud entre fiction, souvenir et croyance. Et comment, au fond, cette configuration est politique. Donc c'est vrai que ce livre, c'est étrange pour moi parce que c'est assez loin de mes sujets de recherche. J'y suis venu à reculons, proprement, du point de vue du cours du temps, très très loin de ce 15e siècle qui est au fond mon aujourd'hui dans le passé, le temps dans lequel je ressens une étrange familiarité. Là, je suis très très loin. Et j'ai voulu au fond rendre sensible peut-être à la lecture la profondeur du temps, ce que c'est pour le temps que de passer, c'est-à-dire permettre au lecteur de traverser des couches sédimentées, compactées, et comme dans la géologie, ce qui est compacté, d'une certaine manière, permet aussi à des choses très anciennes de ressurgir de façon inattendue et désordonnée, essayer de rendre compte de la consistance du temps par des moyens narratifs. Et donc, c'est en ce sens que vous avez raison de dire que la question de la fiction politique, elle agit tout le livre, y compris peut-être la manière dont il est écrit, c'est-à-dire faire de cette enquête généalogique une fiction au sens de Michel Foucault, c'est-à-dire quelque chose qui, dans le passé, trouve une énergie pour produire des effets de vérité sur aujourd'hui. Il y a évidemment une fausse piste ou une clé qui ouvre une porte dérobée, c'est le titre même du livre, La trace et l'aura, qui n'est jamais explicité, sauf à la toute fin, sauf à la dernière page, dans un effet que j'espère être un effet de non-dévoilement, c'est-à-dire à un moment où on n'en a plus besoin, parce qu'on s'est déjà fait une idée de ce que c'est que la trace et l'aura. En réalité, c'est une citation de Walter Benjamin que je ne vais pas vous dire ici parce que je tiens quand même à ce petit coup de théâtre qui n'en est pas un, mais où il est question évidemment de ce qui surgit sous nos pieds, la trace, et qui vient d'un monde très ancien, mais dont on peut s'emparer quand même. Et alors on pourrait dire simplement que le travail des historiennes et des historiens, ce n'est rien d'autre que cela, c'est-à-dire traquer les traces du passé pour aller à rebours du temps à la rencontre de l'histoire. Et pourquoi est-il utile d'aller à la rencontre de l'histoire pour dissiper l'aura des grands noms, c'est-à-dire pour ne pas s'en laisser compter, littéralement, par des traditions surplombantes qui, d'une certaine manière, exactement comme Ambroise se présentait face à Augustin, impressionnent par leur silence et vous attirent par leur retrait. C'était ça, Ambroise. C'est-à-dire, c'était ce maître de rhétorique qui avait compris qu'au fond, l'emprise suprême, c'était de ne plus rien dire et d'attirer chacun par son silence. C'est ça, l'aura. Et elle est
proprement irrésistible. C'est ce que Walter Benjamin dit lorsqu'il dit que l'aura est ce qui nous fait lever les yeux vers ce qui nous regarde. Bon. Mais ça, je n'ai pas voulu le dire dans le livre, j'ai voulu au fond le laisser perler ou deviner. J'ai rêvé un lecteur qui, à la toute fin, pourrait écrire cette citation « La trace et l'aura » qui est de Walter Benjamin dans le livre des passages, qui personnellement m'obsède. Il y a tout un jeu un petit peu ironique ou affectueux de citations et de nominations dans ce livre. Évidemment, je cite beaucoup parce que c'est un livre qui est accompagné d'un apparat critique. Hein. Je cite beaucoup, et c'est normal parce que ce sujet, j'ai dû l'apprivoiser. Mes prédécesseurs, des érudits, il y a toute une discussion critique. Et puis, il y a aussi une discussion philosophique avec des grands auteurs. Quelque chose d'un peu psychanalytique dans le rapport entre le réel et la réalité. Le réel est ce qui revient toujours à la même place. Je pense que ça s'est dit dès les premières pages. Donc, évidemment, il y a Lacan derrière, mais pas tellement cité. Puis il y en a un qui n'est jamais cité, c'est Walter Benjamin. Parce que je me reproche de trop le citer, et j'ai voulu, dans ce livre, d'une certaine manière, peut-être m'imposer une sorte d'exercice oulipien, c'est-à-dire ne jamais citer celui que j'ai toujours en tête. Et pour moi, c'est comme une disparition. C'est proprement une disparition. Et puis, bon, à la fin, évidemment, on craque.